Salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy78, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui donc comme prévu pour Zone Paranormale. Donc on se retrouve comme vous le voyez sur l'image, vous reconnaissez, si vous reconnaissez cette maison, il s'agit effectivement de la maison d'Amityville, qui a été construite en 1928. Elle est située au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville, sur Long Island, à l'est de New York, aux États-Unis. Elle est surnommée la maison du diable. Pourquoi? Parce que c'est suite à un ensemble d'événements qui sont survenus entre 1974 et 1976, c'est-à-dire pendant 2 ans. Donc que s'est-il passé? Alors on commence par la famille des Féaux. C'est une famille qui a été décrite normale, qui aimant la vie, tout simplement. Nous retrouvons donc les parents. On va commencer par Ronald Senior. Ronald Senior, qui c'est? C'est un père qui aime tout simplement ses enfants et qui les éduque avec beaucoup d'amour. Sauf que son fils Ronald Junior a décrit son père comme quelqu'un de très violent. Louise, donc sa femme, on ne connaît malheureusement très peu de choses sur elle. Ensuite, nous passons aux enfants. On commence par la plus âgée, Dawn. 18 ans. Elle aimait la musique, des musiciens noirs qui étaient très populaires à cette époque-là, ce qui agaçait beaucoup justement son frère Ronald. Nous avons Allison, 13 ans. Décrite comme une fille tranquille qui passait ses étés dans la piscine avec ses amis. Elle fermait souvent sa porte quand elle entendait des disputes entre son père et son frère. Ensuite, nous trouvons... Donc, Dawn, c'est une fille, hein, je précise. Nous retrouvons donc deux autres enfants, donc deux garçons. Marc, 12 ans, considéré comme un petit footballeur amateur, hein. Il s'était tout simplement blessé sérieusement, l'obligeant temporairement à utiliser béquille et fauteuil roulant. John, 7 ans, petit garçon gentil d'après les amis d'Allison. Il était assis avec un ami sur le pas du sous-sol et écoutait son père et son frère Ronald s'engueuler la veille de ce qui s'est passé. Donc, on commence. Tout se déroule le mercredi 13 novembre 1974 à 3h du matin. Ronald Junior, qui a regardé un film qui s'appelait Castle Key. Le film se finit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fusil de 35 mm. Il monte dans la chambre. Il assassine ses parents, ses sœurs et ses frères. Certains dans leur sommeil et d'autres à moitié réveillés. Explication. Ronald Senior reçoit 2 balles dans le dos entrées par le cou. Elle traverse ses reins et sa colonne vertébrale. Louise reçoit elle aussi 2 balles. Une entre et sort par son poignet gauche et l'autre détruit son poumon, son diaphragme et sa cage thoracique et ainsi que son foie. Mark et John, tous les deux, reçoivent eux des tirs à bout portant. Approximativement moins de 4 cm. Les balles pénètrent le cœur, les poumons, le diaphragme et le foie des deux garçons. Allison est réveillée et a le temps de voir la muselière du fusil avant de recevoir la balle en pleine tête. Quant à Dawn, elle a reçu une balle à bout portant aussi, approximativement à moins de 6 cm, pardon, dans le bas de son cou et la balle est ressortie par l'oreille gauche. Donc que s'est-il passé? Vers 18h30, donc Ronald DeFeo Jr. entre dans le Henry's Bar, tombe par terre et crie comme quoi sa famille a été assassinée. Tout le monde y va, il découvre le massacre. La police croit tout simplement que les voisins n'ont rien entendu. En fait, la police ayant fait un test avant sur la détonation du fusil, prouve que cette arme s'entend à 5 pâtés maison plus loin. Donc la police croit que les voisins n'ont rien entendu car la maison agissait comme un château fort et aurait assourdi le son alors que le chien des DeFeo aboyait pendant les meurtres.
Le chien était souvent dehors, attaché, tout simplement parce que il n'était pas propre. Donc la police, suite aux aveux de Ronald DeFeo, l'arrêtèrent et a été plaidé coupable des meurtres de sa famille. Donc la maison fut mise en vente, bien évidemment. Et le 18 décembre 1975, George Lutz, sa femme Cathy et ses trois filles, tout simplement, achetèrent la maison. Tout se passe bien. Et pendant plusieurs nuits d'affilée, George Lutz s'est tiré de son sommeil à 3h15 du matin précisément. Mélissa, elle étant la cadette, évoque à l'époque avoir dans la maison un ami imaginaire du nom de Jody. Dans la maison, donc, il y a eu un réduit est découvert, sauf que ce réduit ne se trouve sur aucun plan de la maison. Donc le chien, ils ont aussi un chien, Harry, un labrador, refuse de s'en approcher en fait. Il pleure et tout quand il entend ça, il veut pas s'en approcher, il en a peur. Donc que s'est-il passé précisément dans la maison? On va commencer par Cathy Lutz, qui est terrorisée par des bras invisibles qui l'enlacent. Hanson, quant à elle, avait l'impression en fait qu'elle allait mourir dans cette maison. Elle se sentait pas bien, elle disait que on pouvait pas partir parce que je sentais qu'on allait mourir. Et un petit peu de temps après, des marques rouges très douloureuses apparaissaient sur sa peau, comme si on l'avait frappée. Pour ce qui est de George, il a entendu comme une fanfare dans la maison, c'est-à-dire des bruits de bottes et d'instruments à vent. Il a rien vu, mais le matin trouva les tables, les chaises, les fauteuils collés au mur, comme si on laissait passer toute une fanfare. Un lion en céramique de plus d'un mètre de haut se met à bouger tout seul. Des empreintes de sabots fourchues dans la neige autour de la maison qui mènent à la porte du garage, qui a été elle arrachée de ses gonds, alors que c'était quelque chose de très très lourd. Anéanti par tout ça, fatigué, ils s'en vont, laissant tout leur bien, etc. Ils s'enfuirent donc en janvier 1976, c'est-à-dire 28 jours après qu'ils aient emménagé. Donc, l'histoire donc des Lutz et entre guillemets de la famille DeFeo a eu comme succès des films, comme le film que je vous mets actuellement, et des romans. Ensuite, en 1982, les enquêteurs en paranormaux Ed et Lorraine Warren, dont je vous ferai une vidéo dessus, sont accompagnés donc de médiums et de journalistes pour enquêter donc dans la maison du diable. Alors, que s'est-il passé à ce moment-là? Alors, les médiums se sentaient vraiment pas bien. Ils se sentaient oppressés, ils avaient l'impression qu'on les regardait. Certains endroits de la maison, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient plus avancer. Une des médiums précisa qu'en montant l'escalier qui menait à l'étage, elle a senti comme un poids sur sa poitrine, comme si on l'empêchait de monter. Mais le fait le plus troublant de cette soirée, c'est cette photo que je vous mets. La photo prise donc par un appareil, des photos qui étaient prises toutes les 3 secondes. Et si vous regardez bien au niveau de la porte de gauche, il y a un enfant qui apparaît. Il regarde l'appareil, il a l'air de se dire « mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Sauf que Ed et Lorraine Warren, qui étaient bien évidemment qui sont des enquêteurs, parce que Lorraine est encore vivante, Ed n'est malheureusement plus de ce monde, sont des enquêteurs très renommés, très sérieux,
et ils affirment tout simplement qu'il n'y a eu aucun enfant durant la soirée. Aucun enfant n'était présent. Ils étaient tous entre adultes. Et cette pièce, d'où sort ce petit garçon, ils étaient dedans quelques secondes, quelques minutes avant d'avoir posé cet appareil photo. Il faut savoir qu'à cette époque-là, 82 quand même, les appareils de cette époque-là sont pas comme les appareils d'aujourd'hui où on peut truquer les images. Là, c'est vraiment une image qu'on ne peut pas truquer. Il n'y avait pas les moyens à l'époque, il faut le savoir ça. Et en fait, ce petit garçon, ce serait tout simplement John DeFeo, qui est tout simplement le plus jeune de la famille, celui qui avait 7 ans, lors de son décès. Donc cette photo est très connue. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis dans cette maison ? Alors, bah, tout simplement, un couple, on va dire un peu de retraités, puisque James Cromarty et sa femme Barbara ont 77 ans tous les deux. Donc, ils achetèrent la maison en 77. La maison, en fait, si vous préférez, les touristes voulaient voir absolument cette maison. Tout le monde s'approchait de la maison, ce qui empêchait James et Barbara d'être tranquilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été tout simplement changer l'adresse. Ils ont remplacé le 112 par un 108. Ils partirent de la maison en 87, mais jamais rien d'étrange n'y s'y est déroulé. Faut le préciser. Ce que je voulais dire, je me suis trompé sur une date. C'est qu'Ed et Lorraine Warren ont été faire cette enquête en 1976, pas en 1982, excusez-moi. Je sais pas pourquoi, j'ai dit 82, je ne sais pas pourquoi, je sais pas quoi je pense à ce moment-là. Donc c'est 1976, c'était au mois de septembre, septembre 76, tout simplement. Donc ensuite, les Peter O'Neill et sa femme Jan donc achetèrent la maison en 77. Donc ils ont remplacé les fenêtres du haut en quart de lune par des fenêtres normales. Ils ont revendu la maison en 97 pour le prix de 310 000 $. Moi, excusez-moi, vu l'histoire de la maison, j'aurais revendu plus cher, hein, mais enfin bon, c'est mon point de vue. Donc en fin mai 2010, donc il faut savoir que la maison, 4 ans, n'a pas été habitée. Fin mai 2010, donc la maison est mise en vente, pour, écoutez bien, 1 150 000 $, soit 929 315 €, avant d'être vendue en août 2010. Les propriétaires, donc, en août 2010, ont tout simplement organisé un vide-grenier dans cette maison. Et ils ont autorisé presque à une centaine de personnes de visiter la maison, sauf que personne n'a eu accès évidemment aux étages et au sous-sol. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette maison du diable. J'espère que cette vidéo bien évidemment vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez chaud patate et on se retrouve bientôt pour un nouveau monde paranormal. Bye bye.